Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans. La reine a pu compter sur de fidèles soutiens jusqu'à son dernier souffle. Elisabeth II avait de fidèles courtisans. À l'âge de 96 ans, jeudi 8 septembre 2022, Elisabeth II est morte au château de Balmoral. Si le prince Charles, devenu roi d'Angleterre, était présent lorsqu'elle a rendu son dernier souffle, il ne vivait pas avec elle. Seulement, la reine a pu compter sur le soutien de ses fidèles alliés jusqu'au bout. En effet, comme le rapporte The Mail Plus, elle était toujours accompagnée de ses fidèles courtisans. Parmi eux, Paul Wybrave, surnommé également Tall Paul en raison de son 1m93. Pour la reine, il était indispensable. Elle pouvait également compter sur Barry Mitford, son sergent d'armes. Les deux hommes étaient ses compagnons réguliers, lui apportant le Racing Post chaque jour et s'asseyant avec elle pour regarder son sport préféré à la télévision. Elisabeth II pouvait également passer beaucoup de temps avec Angela Kelly, sa couturière. Il s'agit de la fille du docker de Liverpool Ian qui est devenue son bras droit avec le titre d'assistante personnelle, de conseillère et de conservatrice de Sa Majesté la Reine. Elle a enveloppé la reine dans du coton. Elle a été très surprotectrice et s'est assurée que Sa Majesté née ne faisait pas trop, a ainsi confié une source proche de la famille royale britannique. Elisabeth II a profité de son dernier été à Balmoral alors que l'état de santé de la reine était préoccupant depuis plusieurs jours et qu'elle savait qu'elle n'était pas éternelle. Elle a profité de son dernier été au château de Balmoral. Elle aimait vivre à la campagne et s'accorder des balades dans ses jardins. Ses funérailles devraient avoir lieu dans plusieurs jours en attendant que toutes les festivités se mettent en place.